Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. On va démarrer par le Chumash. Aujourd'hui, nous sommes le Chaf Tevet 5784, le 20 Tevet. Et nous sommes dans la Parashat Shemot, aujourd'hui le Sheni. Paro a donc décidé que les bébés garçons devraient être jetés dans le Nil. Myriam va convaincre ses parents, Amram et Yocheved, d'avoir un autre bébé. Ils ont un autre garçon et ont réalisé qu'il était très spécial. Yocheved décide de cacher le bébé, qui va être Moshe Rabbeinu plus tard, dans une corbeille dans le Nil, et la fille de Paro, Batia, va le trouver et l'amener au palais. Paro, lui, voit que Shifra et Pua ne tuaient pas les bébés garçons. Il leur a demandé pourquoi elles ne le faisaient pas. Shifra et Pua ont expliqué que les femmes juives n'avaient en réalité pas besoin des sages-femmes, elles accouchaient déjà seules. En raison de leur messirut nefesh, le don de soi dont elles faisaient preuve, Hachem leur a donné une grande récompense. Le roi David est issu de la famille de Myriam, et les enfants de Yocheved sont devenus des Kohanim et des Lévi'im, à travers Moshe Rabbeinu qui venait de la tribu de Lévi. Comme elle ne faisait pas ce qu'il voulait, Paro a dû réfléchir à un nouveau plan. Il a décidé donc de construire des maisons pour les Égyptiens à Goshen, là où vivaient les Juifs. Ces Égyptiens seraient des espions et découvriraient qui avait un bébé garçon pour aller le jeter dans le Nil. Amram, qui était à cette époque le chef du peuple juif, pensa qu'il ne devait peut-être plus avoir d'enfants, car Paro allait de toute façon tuer les bébés. Il l'a malheureusement même divorcé de Yocheved, et le reste des Juifs ont donc fait de même pour le copier. Mais Myriam va voir son père et lui dire « Non, papa, sache que notre devoir à nous, c'est d'avoir des enfants. Ce qui se passera ensuite, c'est la décision de Dieu. Mais nous, nous devons avoir des enfants. » De plus, Paro ne tuait que les bébés garçons. Mais en n'ayant plus d'enfants du tout, il n'y aurait même plus de bébés filles. Myriam a donc réussi à convaincre ses parents. Myriam a d'ailleurs fait une prophétie que ses parents auraient un bébé qui sortirait, lui, le Am Israël, le peuple juif d'Égypte. Amram réalisa que Myriam avait raison. Il va décider donc de se remarier avec son épouse Yocheved. Et donc, les autres juifs ont décidé eux aussi de se remarier avec leur épouse. Le Zayin Adar, le septième jour du mois de Adar, Amram et Yocheved eurent un garçon. Il naquit prématurément, alors les Égyptiens ne pensèrent même pas à vérifier tout de suite s'il était né ou pas. Quand Moshe est né, la maison s'est remplie de lumière. Yocheved et Amram réalisèrent que cela pourrait être le bébé qui sortirait plus tard le peuple juif d'Égypte. Ils ont réussi à le cacher pendant 3 mois, jusqu'à ce que les espions égyptiens viennent vérifier si un bébé garçon était né. Les magiciens de Paro vont dire d'ailleurs à Paro que le bébé qui sortirait le peuple juif d'Égypte était déjà né. Ils n'étaient pas sûrs si le bébé était juif ou égyptien, mais ils ont réussi à voir dans les étoiles qu'il mourrait à cause de l'eau. Paro a donc décidé qu'il fallait donner un nouveau décret. Tous les bébés garçons devraient être jetés dans le Nil. C'est-à-dire que toutes les filles grandiraient comme les filles égyptiennes, mais tous les bébés garçons, même les garçons égyptiens, imaginez un petit peu. Yocheved, elle va prendre une corbeille et la rendre imperméable à l'eau, avec du bitume qui était du côté extérieur de ce petit panier et de l'argile à l'intérieur pour que Moshe n'ait pas besoin de sentir l'odeur du bitume. Elle mit le bébé dans ce magnifique panier en osier et le cacha dans les roseaux près du Nil. Elle ne mit pas la corbeille dans l'eau car l'eau était la Avodah Zara des Égyptiens. Myriam, elle, se cacha à proximité pour voir ce qui allait se passer. Après que les magiciens de Paro lui aient dit que le bébé était déjà dans l'eau, Paro annula le décret. La fille de Paro, Batia, ne voulait plus adorer la Avodah Zara comme le faisait avant, alors elle décida d'utiliser le Nil comme un mikvé, et elle décida de s'y tremper pour être pure et prier uniquement Dieu. Elle voulait cesser de croire en la Avodah Zara. C'est à ce moment-là qu'elle vit la corbeille et voulut voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ses aides qui étaient avec elle lui dirent que c'était probablement un bébé juif, alors elle ne devrait pas le regarder. Batia essaya tout de même d'attraper la corbeille et Hachem fit un grand miracle. Il l'allongea son bras suffisamment pour qu'elle puisse atteindre le bébé. Batia vit tout de suite que c'était un bébé spécial. Il pleurait et Batia ressentit de la tristesse.
Elle vit qu'il avait une Brit Mila et que c'était un bébé juif, mais voulait quand même s'occuper de lui. Elle essaya de convaincre les femmes égyptiennes d'allaiter le bébé, mais lui ne voulait pas manger de la part d'une personne qui n'était pas juive. Alors Myriam, qui observait toujours, demanda si elle devait aller chercher une femme juive pour nourrir le bébé. Batia accepta. Myriam va courir chez elle très rapidement pour aller chercher en réalité sa mère, Yocheved. Batia demanda à Yocheved si elle pouvait la payer pour nourrir le bébé. Bien sûr, Yocheved, qui était la véritable mère de ce petit bébé-là, accepta. Et elle donna beaucoup d'excuses pour que le bébé reste chez elle et l'éduqua jusqu'à ce qu'il ait environ l'âge de 12 ans. Elle lui enseigna comment être un bon juif. Et ensuite, elle devait le ramener à Batia, qui, elle, allait le traiter comme son fils. Batia va lui donner un nom, Moshe, qui mina maïm meshitiu, car elle l'avait sorti de l'eau. Moshe. Moshe qui allait sortir également le peuple juif d'Égypte. Teilim. Aujourd'hui, nous allons lire les Teilim. Tzadik Zayin, Tzadik Ret, Tzadik Tet, Kouf, Kouf Alef, Kouf Bed et Kouf Gimel. Le programme est chargé et dans l'un des chapitres d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça. Ariyu Lachem Kol Aretz, que le monde entier chante Dieu. Il est enseigné, dans la Chassidoute, que les mots Ariyu Lachem Kol Aretz sont les Rachetevot, c'est-à-dire les premières lettres qui forment un mot de la Halacha. Quand nous suivons la Halacha, la loi juive, la manière dont Akadosh Baruch Hu veut que les choses soient et qu'elles soient réalisées, eh bien c'est comme si le monde chantait Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, nous apprenons ensemble le Tanya. Dans le Tanya, l'Ikudei Amarim Perek Yud Bet, nous continuons à étudier ce qu'est le Benoni. Qu'est-ce qu'un Benoni? Le mot Benoni signifie « au milieu ». Car le Benoni se situe entre le tzaddik et le rachat. D'une certaine manière, le Benoni est tout comme un tzaddik, car il s'assure que seul la nefesh elokit, c'est-à-dire l'âme divine, est autorisée à contrôler ce que fait le corps. Mais la manière dont la personne se sent vraiment à l'intérieur n'est pas du tout comme un tzaddik. En fait, un Benoni se sent à l'intérieur de ce qu'il est comme un rachat. C'est-à-dire que la nefesh abahamit, la nefesh, l'âme animale, a beaucoup à dire, elle s'exprime. Elle fait constamment sortir au Benoni qu'elle veut ou a besoin de quelque chose. Elle a des tavots, ce que nous appelons des désirs, des plaisirs. Elle lui fait prendre conscience de ses sentiments aussi. Les sentiments qui peuvent le pousser à penser, à parler, à agir contre ce que Hachem veut, c'est-à-dire, malheureusement, contrairement à la Torah. Le Benoni ne va jamais écouter ce que la nefesh abahamit, l'âme animale, lui dit de faire, car c'est contraire à la Torah. Et d'ailleurs, il ne le fera jamais, ou même... Il n'y pensera jamais, il n'en parlera jamais, rien, jamais rien, il ne fera qui permettrait à l'âme animale de prendre le contrôle de son corps. Il ne peut jamais commettre une avéra, le Benoni. Il existe même un moyen pour le Benoni de rendre son amour pour Dieu beaucoup plus fort, et presque comme un tzaddik. Il peut d'ailleurs devenir tellement fort que l'âme animale sera submergée et s'endormira, et elle ne pourra même pas générer ses sentiments. Cela ne peut arriver que pendant des moments spéciaux comme le temps de la Tfila, lorsque la puissance spéciale qui est appelée Mochin Degadlut brille dans le ciel. Le Benoni peut utiliser le schéma, par exemple, avec les bénédictions qui le précèdent, qui sont une préparation au Shema Israël, pour rendre son amour pour Dieu assez fort pour endormir la nefesh abahamit, l'âme animale. Lorsque la puissance spéciale de la tfila disparaît, par contre, eh bien, l'âme animale se réveille à nouveau. Et elle peut à nouveau se sentir comme un rachat à l'intérieur. Le Benoni est donc au milieu. Il se sent comme un rachat, mais il agit comme un tzaddik. Il lutte toujours contre les sentiments de son mauvais penchant, son yetzerara qui est à l'intérieur, pour maintenir son âme divine sous contrôle de son corps. Dans son comportement, il gagne toujours le combat et il agit toujours comme un tzaddik. Nous verrons d'ailleurs dans les prochains Hakim, dans les prochains chapitres, que le Rabbi Shmuel Zalman nous dira ce que le Benoni vraiment est. C'est-à-dire que le Benoni n'est même pas réservé à des personnes spéciales. C'est un niveau qui est un niveau auquel chaque homme et chaque femme devrait essayer d'atteindre.
On n'oublie pas de mettre une petite pièce dans la Tzedaka, et grâce à la Tzedaka, Mashiach arrivera. Et on a une belle pensée pour tous nos frères en Eretz Israël. Nous allons tout de suite faire le Hayom Yom. Hayom Yom Chaf Tevet. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons combien il est important d'avoir un bon ami, avec qui discuter de la manière de devenir un meilleur juif. Quand le Admour Emsaï, le fils du Rabbi Shnon Zalman de Liadi, avait 16 ans, eh bien le Admour Hazaken lui confia la responsabilité de guider les jeunes chassidim, les jeunes élèves. L'une des choses que le Admour Emsaï a initié était le sujet d'avoir un bon chaver, un bon ami. Un bon ami est également une personne à savoir quel sujet elle devrait aborder avec son mashpia, c'est-à-dire son rav qui va l'aider à suivre ses conseils. Ici, le Admor Haemsaï explique à quelqu'un en yichidut, c'est-à-dire en entrevue privée, pourquoi un bon ami est si utile pour servir Dieu. Quand deux juifs parlent d'Avodat Hashem ensemble, c'est-à-dire de comment servir Dieu ensemble, eh bien leurs neshamot, leurs âmes s'entraident. Et c'est ainsi que, à l'intérieur de chacun d'eux, c'est comme si qu'il y avait deux âmes divines, ou Yetzertov, bon penchant, qui travaillaient pour surmonter leur nefesh at ivit, c'est-à-dire l'âme naturelle qui est en réalité ici le Yetzerara. Nous apprenons dans le Tanya d'ailleurs les moyens d'aider notre âme divine à surpasser l'âme animale. Et ici dans le Hayom Yom, nous apprenons une autre façon de le faire, à savoir de se joindre à un autre juif. C'est ne pas se suffire de soi-même, mais de s'aider de son prochain. Quand nous disons qu'il y a deux Yetzertov contre un seul Yetzerara, deux Yetzertov, c'est-à-dire deux bons penchants, eh bien nous parlons de la manière dont cela se passe pour chacun des juifs qui parlent ensemble. En effet, le bon penchant d'une autre personne sera heureux d'aider son ami et se joindra au bon penchant de cet ami-là. Mais un Yetzerara ne pourra pas se joindre à l'autre Yetzerara, vous savez pourquoi? Parce que le Yetzerara, le mauvais penchant, est égoïste. Donc il ne va même pas chercher à aider l'autre personne. C'est ainsi que chaque personne n'a que son propre Yetzerara. Et le Yetzerara d'une personne ne se joint pas au Yetzerara de l'autre. Ce qui n'est pas le cas pour le Yetzertov. Quand il y en a deux contre un, il y a beaucoup plus de chances, donc, de réussir. C'est toujours mieux à deux. Pensez à nous envoyer vos dédicaces. Ça peut se faire sur chitat.fr, mais également sur les différentes plateformes d'écoute, sur les différents réseaux. Faites-le partager également, le chitat, c'est un grand mérite. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège pour cela. Et nous abordons tout de suite notre Rambam du jour. Nous sommes dans les Ilchot Gzela ve'Aveda. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'est le sujet de la Hashavat Aveda. Ramener à son propriétaire quelque chose qui a été perdu. Le Perek Yud Gimel nous enseigne comment trouver le propriétaire d'un objet que nous avons trouvé en dehors de Yerushalayim. Il y avait autrefois un gros rocher sur lequel les gens montaient pour annoncer ce qu'ils avaient trouvé. Il y a une loi qui dit que, dans un cas particulier, si nous trouvons quelque chose et ne pouvons pas découvrir à qui cela appartient, eh bien nous devrions le surveiller jusqu'à ce qu'Eliyahu Hanavi vienne avec Mashiach et nous dise quoi en faire. Dans le Perek Yud Dalet, le 14e chapitre, on y dit que pendant que nous attendons de rendre quelque chose, nous devons en prendre soin pour qu'il ne soit pas endommagé. Par exemple, si nous trouvons quelque chose en bois, nous devrions nous assurer de l'utiliser pour qu'il ne pourrisse pas. Le chapitre Ted Vav, le 15e chapitre, lui nous enseigne dans quel cas nous n'avons pas besoin de rendre quelque chose. Si le propriétaire a perdu tout espoir de le retrouver, ce que nous appelons en hébreu Yiyush, c'est-à-dire qu'il a abandonné. Par exemple, si quelqu'un perd quelque chose dans la mer ou dans le sable sur la plage, par exemple, eh bien, il ne s'attend pas du tout à vraiment le retrouver. Donc, Yiyush, on appelle ça quelque chose qui est abandonné. Et voilà, c'était le Chitatut du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis, avec vos proches. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il vous donne la réussite matérielle et spirituelle. Que vous puissiez toujours partager avec vos amis le sourire, la joie véritable, peu importe là où vous êtes. Partagez un sourire, donnez à votre proche. Que Kadosh Baruch Hu nous délivre et qu'il nous envoie le Mashiach, qu'il envoie la guérison totale et complète
à tout le Ham Israël et en particulier à Avraham Nissim, Ben Sultana. À très bientôt.